Yo yo yo! Alors là, on a des aventures, un gouvernement qui devait tout changer, hein! Mais c'est du flan! Une vraie blague! Franchement, fallait voter Barnier là, on aurait quitté ce cirque! Allez, je vous explique pourquoi ce gouvernement Barnier, c'est du grand n'importe quoi! Didier Migaud à la justice, mais c'est quoi ce deal? Catherine votera part de territoire, mais rien de réel. Bruno Retailleau à l'intérieur, il contrôle rien. Anne Genette à l'éducation, elle sert que du vent, rien de bien. Jean-Noël Barrot, affaires étrangères, bonjour les gaffes. Rachida Dati à la culture, c'est un mauvais staff. Sébastien Cornu, les armées, il fait quoi? Pendant qu'Agnès Pannier gère l'écologie sans loi. Ce gouvernement est claqué, faut changer l'équipage. Barnier c'est fini, faut virer ce ramage. On aurait dû voter Bardella plus radical. Ce gouvernement est nul, c'est trop banal. Antoine Armand aux finances, c'est la crise assurée. Geneviève Darrieussecq, santé en panne, faut la remplacer. Paul Christophe parle d'égalité, mais il fait quoi vraiment? Valérie Létard au logement, elle brasse du vent. Annie Genevard à l'agriculture, la terre en sueur. Astrid Panossian au travail, encore une erreur. Gilles Averrousse à la jeunesse, mais y'a zéro espoir. Patrick Hetzel en recherche, c'est juste pour l'histoire. Gouvernement est claqué, faut changer l'équipage. Barnier c'est fini, faut virer ce ramage. On aurait dû voter Bardella plus radical. Ce gouvernement est nul, c'est trop banal. Guillaume Casbagnol, la fonction publique ça marche pas. François Noël Buffet, les outre-mer toujours à l'abandon, ça va pas. Laurent Saint-Martin, le budget il a déjà floppé. Avec Benjamin Haddad, l'Europe est déjà stoppée. Nathalie Delattre, relation avec le Parlement, c'est du théâtre. Nombreux gens, porte-parole, rien à dire, c'est pathétique. Marie-Claire Carrère, coordination en panne. Françoise Gatel à la ruralité, c'est une blague. Ce gouvernement est claqué, faut changer l'équipage. Barnier c'est fini, faut virer ce ramage. On aurait dû voter Bardella plus radical. Ce gouvernement est nul, c'est trop banal. Fabrice Doer pour la mer, il rame à contre-courant. Nicolas Daragon pour la sécurité, ça devient inquiétant. Alexandre Portier à l'école, le niveau baisse encore. Sophie Primas au commerce, elle rate tous ses efforts. Marc Ferracci pour l'industrie, c'est du passé. Olga Guivernet à l'énergie, tout est cramé. Clara Chapaz qui a, mais elle programme rien. Salima Sa pour l'égalité, mais elle en fout pas une. Ce gouvernement est nul, y'a rien à sauver. On aurait dû voter Bardella, c'est clair, c'est validé.